Ok les gens, content de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Ark Ascend. On est toujours sur la map The Island, mais on n'est pas du tout au même endroit. En effet, j'ai pu déménager parce que j'étais un peu en galère en fait là où j'étais pour la repro des dinos marins. Il n'y avait plus trop en plus de malheureusement de place autour pour faire une base marine. Donc du coup, il y a Toto Gollum a changé de coin et j'ai discuté avec lui, il m'a laissé donc son emplacement de base. Alors j'ai construit à l'arrache tout ce que vous voyez là. Il a encore quelques dinos qui traînent, mais c'est pas un problème. On va se débrouiller avec ça. Est-ce que je peux le prendre lui? Ah oui, je peux. Et je peux le jeter. Youhou! Voilà, comme ça, je peux les déplacer un peu. C'est pas mal. Donc du coup, l'objectif, bah, c'est de pouvoir prendre le spot. Bon, même si j'ai prévenu les admins, c'est pas trop un souci. Mais voilà, je suis en train de fermer des portes et tout ça. Et donc comme ça, on pourra se faire une base marine super sympa. L'île aux herbies, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. Quel level, toi? 26. On aura de la place pour faire la repro de marins, notamment. C'est ça qui m'intéressait. Donc il y a encore un petit peu de bazar là, mais ça va se déplacer tranquillement. Et on va pouvoir comme ça mettre notre base. Et puis déménager. Donc malheureusement la serre que j'ai faite dans l'épisode précédent, bah faudra que je la refasse. Mais c'est pas grave, je la referai hors vidéo. Et puis sinon on va se faire un peu de construit. Aujourd'hui j'ai envie de me construire une base super sympa là-bas. Entre les deux rochers, là où il y a mon Argentavis. Et puis voilà, on va avancer dans cette aventure. Je préfère déménager tout de suite. Je peux trop avancer. Et puis comme ça, on arrivera à avoir un truc sympa, je l'espère. Allez, j'ai dégagé le terrain. Je vais commencer par faire une petite. Je pense une petite bergerie. Enfin, pas une bergerie, mais un petit endroit pour pouvoir mettre mes dinos qui vont me servir à faire des œufs. On retourne un peu à l'ancienne. Mais c'est pas mal. Donc je vais farmer un peu de fondation. Je vais me faire un petit village. Pour l'instant, je mets de la fondation. J'enlèverai après entre les bâtiments, très clairement. C'est juste là pour que tous les bâtiments puissent être liés ensemble. Je fais comme ça. Donc je vais farmer. Il va falloir que je farme pas mal encore. Avec les dinos que j'ai, ça va assez vite. Bien! Petit hangar fini, bon j'ai des petites bricoles à enlever, mais globalement c'est ça. Ça c'est bon, nickel. Ok, j'ai peaufiné un petit peu mon premier petit hangar. Franchement, je suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait. Il est pas fou fou pour l'instant, mais bon, c'est le début. J'essaie d'apprivoiser la construction. Il y a moyen de faire des trucs de ouf, je pense. J'ai déjà vu des trucs sympas. Mais même là, j'aime bien. Vous voyez, on peut mettre des barrières comme ça en biais et tout. On peut remettre des barrières en haut. Enfin, je trouve ça un peu stylé. Donc là, je vais essayer d'aller chercher mes dinos. Ou peut-être je vais leur tamer. Parce qu'il faut que je me fasse une petite liste. Mais il faudrait du dodo, du moshop. Faut que je regarde ce qu'il faut d'autre. Les Argentavis, ok. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'il faut exactement au niveau des dinos, qu'on ait tout ce qu'il faut pour avoir tous les œufs qu'on a besoin. Bien, bah après la construction, j'aimerais faire un peu de timing aussi dans cet épisode. Le truc, ce serait de trouver une grenouille. Parce que je vais avoir besoin de ciment et évidemment le cerf est relativement plein, donc du coup c'est compliqué d'avoir du ciment avec les castors, tout le monde les farme. Même comme j'étais devant là, même quand j'étais devant c'était pas évident. Donc je vais essayer de trouver une grenouille, il me semble que j'avais looté une selle, je suis pas sûr. Je vais repasser à mon ancienne base, qui est toujours ma base, l'autre est juste ici. On va aller dans les marais. Je vais essayer de looter une bonne grenouille, voire un couple si je trouve, mais déjà une, parce que de toute façon on peut pas en ramener plus d'une à la fois. Et comme ça nous permettrait d'avoir tout simplement du ciment. Je peux faire la forge et dans un niveau je peux faire le labo de chimie. Une fois que j'aurai le labo de chimie avec la chitine, on fera du ciment. Donc j'ai bien envie d'abord d'aller chercher une grenouille.
Ce serait cool. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y avait des barrios aussi. Le barrio m'intéresserait. D'habitude, je fais des caves en loup et trucs comme ça. Le barrio, de mémoire, il passe vraiment partout. C'est un animal marin aussi. Donc je me dis, bon, le seul inconvénient, je crois que c'est qu'il saute pas. Mais sinon, alors, je vais peut-être pas le tamer là parce que j'ai pas ce qu'il faut. Encore que. Alors, il y a une grenouille. T'es quel level toi? Aïe. On peut pas tourner sur le. Ok, on va essayer de trouver mieux quand même. Ok, j'ai trouvé une femelle 126. Franchement, pour The Island, c'est pas si mal. Même si les levels sont 200. Je vais essayer de me trouver un petit coin pour la tamer. Un coin assez safe. Évidemment, loin des marais. Ok, c'est parti. Voilà. J'espère qu'il va pas y avoir trop de bugs. Ouais. Ça commence. Heureusement que j'ai une bonne arbalète. Et que ça s'endort assez facilement. Le serveur bug, j'espère que ça va pas crash. Et que je peux perdre mon timing, c'est tout. Bon. C'est le jeu, malheureusement. Allez. Je me demande si la torpeur descend pas très très vite de cette bestiole, je me rappelle plus trop. On va surveiller ça. Bah c'est rapide hein, franchement la grenouille. Ça fait quoi 5 minutes que je suis là. 96% va se réveiller. C'est cool. Bon là peut-être pas des stats de ouf mais c'est une femelle. Et peut-être il y a moyen d'aller trouver un mâle après. Un peu plus haut level. Vu qu'on est sur The Island, je suis pas trop difficile. Ok, là voilà, tamé. Qu'est-ce que t'as comme stat, ma belle? 374% d'attaque, c'est vraiment pas mal. Franchement. Allez, hop. Je t'emmène à la base. Allez, retour à la base. Et Rania qui va me rejoindre. Ça, c'est cool. On va se mettre en tribu, je pense. Ou en alliance, minimum. Ou peut-être en tribu. On va construire chacun sa base. Mais au moins, ça sera bon. J'ai pris un loup. Je suis lourd, hein, comment que ça se fait. Ouais, j'ai tamé un loup hors vidéo. Ah, mais ils sautent hyper loin les loups maintenant. Non, peut-être comme avant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus rapides. Ouhou, qui saute haut. Non, mais peut-être qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je sais plus si je vous ai montré la fonction. Quand il s'accroupit, ça nous montre les notes. C'est vachement pratique. Normalement, je les ai toutes prises. Et ça permet de voir, de chercher les notes. Donc, c'est la touche accroupir. Et je crois que je l'avais déjà vu. Par contre, ça lag de ouf. Je pense que le serveur va crash. C'est vraiment bizarre. J'en ai profité, je suis repassé à mon ancienne base pour ramener voilà, mes dinos qui vont pondre, ça commence, c'est cool ça. Je pensais que ça allait descendre jusqu'en bas, c'est pas le cas. Elle n'a pas encore pondu, il va falloir que je ramène un oviraptor aussi. Que j'en trouve un et que je le tame, comme ça, ça fera pondre un petit peu plus vite. Allez, je suis repassé à mon ancienne base, je vais vite faire aller. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non, je vais peut-être prendre ça moi. La kitine m'intéresse. Ça aussi par contre, ça, je m'en fiche un peu. Ça aussi.
Ok, donc je disais, je vais retourner. Je suis venu avec ma petite grenouille. Hop là. Comme ça, on va aller un peu farmer de la perle. Il faut de l'électronique pour faire mon. Pour faire mon petit machin, comme ça s'appelle. Ça, tant pis. Débarrasser de tout ce que j'ai pas besoin. Pour faire le labo de chimie, il me manque des polymères, ça j'irai en chercher. De l'électronique, il me faut de la perle. Donc, hop, pendant que j'ai la grenouille, on va essayer d'aller sous l'eau. J'ai looté une bonne bouteille de plongée. Ah oui, je voulais voir par contre. Ok, je voulais voir ce qu'il fallait. Pour faire les palmes et la tenue plongée, je crois que c'est level 81. Il faudrait des perles, j'en ai pas. Il me manque quelques perles. Ok. Ok, bon, je vais aller chercher de la perle, il n'y a pas d'autre solution. Allez, premier moment sous l'eau. On va essayer d'éviter les requins. Il y a des perles normalement. Mais bon, en général, il y a des requins, des méduses et compagnie. On va essayer d'éviter ça. Surtout que je vois pas super, parce que j'ai pas de masque. Donc j'espère que ça va le faire. Oh, voyez-vous ce que je vois là? Un petit loot sous l'eau. Pas ouf, mais enfin bon. Je suis déjà content d'en avoir vu. Hein. On les voit mieux, j'ai l'impression que sur l'ancienne version. Ok, j'ai l'impression que les perles sont moins profondes qu'avant. À moins qu'il y en avait avant dans le coin, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, je suis allé dans le fond, je n'en ai pas trouvé. Et sur le bord, ça a l'air de le faire. Donc, c'est plutôt cool. Il m'en faut quand même un petit peu. Faut que je fasse près 150 électroniques. Donc à voir. Alors je suis là. J'avoue que je serais bien tenté de tamer un Dunkleo. Il y en a un là. C'est pas un gros level, mais je serais plus à l'aise avec ça. Je me dis. Est-ce que je peux tirer de ma truc? Ouais. Attendez, je me fais attaquer donc les yeux, ok. Donc c'est pas une bonne idée ça. Quel level toi? 126. En vrai, ce serait pas mal. Est-ce que j'ai une plateforme? Tout le dos droit, tu m'agaces. Le plaisio, ce serait peut-être pas mal quand même. Allez, on va essayer. Tu m'agaces, toi. Pousse-toi. Mine marin, mais si ma grenouille va tanker vraiment des masses, mais... peut-être mieux de le tuer avec mon arbalète, hein. Je suis pas bête. Je sens que ça va tourner à la catastrophe ce machin-là.
Il y a deux plésios maintenant. Ils sortent d'où ces machins là? Sérieusement? 126? 6? Est-ce qu'on essaierait quand même pas d'entamer un? Je sais pas, ça a l'air de bugger, je regarde juste les pings. Ouais, peut-être un peu tôt dans le jeu pour faire ça. Je voulais un Dunk Leo en vrai. Ça me paraissait pas mal. Il y avait quoi, 33 et je sais plus quoi. 33 et 46, ouais. C'est un mégalodon. Alpha. Ok, bon, on va pas rester là alors. On ira se faire un petit timing marin après avec la grenouille, mais autour de l'île, ça sera plus facile. Ok, alors, la pêche a été bonne. Franchement, plutôt content de mon petit voyage sous l'eau. Je vais laisser ça là, et pendant que ça farm ici, hop. Je devrais pouvoir me faire les palmes, il manque quoi? La fibre et ça, la fibre. Ok, bon, c'est pas trop le problème, ça, la fibre. On en trouve partout. Bon, je garde encore ma petite base ici, mais pas longtemps. En fait, je vais vite déménager, mais je voudrais faire en fait les gros trucs. Genre la forge, ça, parce que sinon ça va me faire trop de ressources à déménager. Allez, on va se faire les palmes et le masque, et donc là il manquera l'électronique et le polymère, donc on va lancer l'électronique. 350 électroniques avec le truc, ça c'est cool. Est-ce qu'il m'en faut pour la main? Il va me manquer du ciment. 250 de ciment, donc il va falloir que je reforme un peu le ciment. Et puis je vais aller chercher du polymère en fait pour faire. Parce que là le métal j'en ai assez. Donc j'en ai encore dans les forges du métal, donc là j'en ai assez. Ouais, tranquille. Donc l'idée c'est que je puisse avoir ma forgin du mon labo. Très clairement. Et ensuite je pourrai détruire ma base ici. J'aurai tout ce qu'il faut. Il va me manquer un peu de ciment, je vais aller en farmer encore avec la grenouille. Et puis on sera bien. Combien il m'en faut? Là il m'en faut 600. Et là il m'en faut, voilà, 850 en tout. Il en est 700, donc 150 de ciment, ça va aller assez vite. Avec la... Franchement, ça va aller vite. Allez, go chercher du polymère. Allez, retour à ma petite base. J'ai posé mon petit bazar. Je trouve que la forge, elle est bien stylée. Plus le truc rouge et tout, c'est plus sympa, le grill et tout. Pas de soucis. Alors, j'aimerais, pour terminer l'épisode, trouver un petit oviraptor. Franchement, c'est ça qu'il nous faut pour avoir des œufs. Et en même temps, on va aller poser la plateforme le plus près possible de notre base, la plateforme, pour poser, pour avoir de la sève. Donc je vais essayer de voir ça. Il faut que je marque, je fasse une petite marque. Ou alors je vais laisser mon dimorphe peut-être là-bas. A voir, en tout cas, ça m'intéresse. Des oviraptors, j'en ai déjà vu dans le coin ici. Donc je vais faire le tour et on va regarder si on en trouve. C'est toujours quand on en cherche qu'on n'en trouve pas, mais bon, sait-on jamais. Ok, j'ai trouvé un oviraptor ici. Je peux regarder le level, mais c'est pas grave. 26, c'est bien ça. Je vais me trouver un coin tranquille pour l'endormir. Ça serait cool. Ok, dans ce coin-là, peut-être... Mince, il va se barrer, lui. Il va se barrer. Alors. Allez, une petite flèche tranque.
Ok. On va y mettre tous les œufs que j'ai. Oui. Je vais y mettre les meilleurs que j'ai. Aucune idée de combien il en faut. On verra bien. Peut-être que je fasse un truc un peu autour de lui, peut-être. J'ai pas l'impression que ça craigne, mais ça a le temps de repop. Je vais voir combien de temps il met pour manger, et puis après, je vais voir ce que je fais. Ok, il a pris 60%. 58% avec mon œuf de Bronto, je pense, ou de Duplo. Voir combien il lui en faut. Let's go à la base. Il est tamé, mon machin. C'est cool, il a mangé 2 œufs. Pas de problème. Donc, on y va. Allez, retour à la base. Tac, je vais le poser là. Hop, on va se mettre ici. Je vais le mettre en suivi. Et voilà. On va pas grand chose. Une torche ou quoi? Viens, toi, le viraptor. Il y a du ping, non? Ça va en plus. Allez, hop. Voilà, bouge pas. Bouge pas. Ok, ouais, il y a du ping quand même. Top votre passif. On a tout le monde en passif. Et je vais y mettre du bois. En fait, faut le charger. Qu'est-ce qu'il y a sur un kilo? Je sens qu'il a envie de s'énerver, mais je sais pas. Bref. Hop là. Il ramasse les œufs. Ah, c'est pour ça. Ok. Excuse-moi, mais je savais pas qu'il avait ramassé les œufs. Ok, il ramasse les œufs lui. Automatiquement, mais c'est cool ça. Bon, une femelle en kilo, bah tant pis, je vais la tamer. Hein. Je vais pas. La tamer, j'ai les citrons, allez hop. Ça fera des œufs. Aussi t'es énervé? Ok, d'accord, il a piqué un œuf. Ok, ça marche pas, c'est bugué. Tamer lui aussi, puis c'est tout. J'aurai des anguilles pour les œufs, c'est pas grave. J'étais pas vraiment prévu, mais ça ira bien. Je veux bien avoir des légumes là-dedans, je vais le tamer aux légumes aussi. 513, pire, je pourrais faire un peu de repro. Allez, bon, lui, il vole des œufs, ok. Ça, c'est une chose, mais je voudrais le mettre en promenade, moi. Le problème, c'est que si, je sais pas. Écoutez, on va le passer en promenade. Normalement, quand on fait ça, voilà. Ça active la production d'œufs. Ça, c'est cool. Ah, il se déplace encore, ça n'arrange pas. Là. Et on verra bien s'il récupère des œufs ou pas.
S'ils pouvaient récupérer les œufs là qui sont là-dedans, ce serait cool. Il m'en faudrait peut-être deux. Un qui récupère les œufs et un qui booste le truc. Falloir que je regarde ça. Falloir que je regarde ça en fait. Parce que ça a été patch peut-être. Allez, ok, je suis prêt les séquoias. Allez, on la met à... Pas de soucis. On va poser. Hop. Les trucs. Je sais pas s'ils sont buggés. Avant, il fallait les ouvrir. Si vous les ouvriez pas, quand ils étaient vides, enfin, juste quand vous les avez posés, ça fonctionnait pas. Donc voilà. Alors, j'ai amené, hop, les petits lits et une armoire. Comme ça, ce que je fais, c'est que j'y vais de temps en temps. Hop, c'est nickel. J'y vais de temps en temps, je traverse avec le lit, je récupère tout, je mets dans l'armoire, puis quand il y en a plusieurs, pas mal, en fait, je fais un aller-retour. C'est le plus simple, je trouve, pour moi. Ok, j'ai mis un petit point sur la carte. Donc c'est assez facile. Il suffit juste de... Hop, on se met ici. Voilà, on peut cacher les dinos, les joueurs, les morts et tout ça. Et vous pouvez faire waypoint. Et du coup, vous rajoutez... Bon, moi j'ai mis save, comme ça c'est bon. Impeccable. Ça, c'est cool. Eh bien écoutez les gens, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On aura bien travaillé, je trouve, cette petite plateforme tombe à point nommé. On aurait fait notre petit hangar à dino. J'ai tamé un petit oviraptor. Je me suis dit après, peut-être si je mets des barrières partout, tout simplement, mais peut-être faire ça. Et je vais laisser se balader dans l'enclos, en promenade, et peut-être qu'il va me ramasser les œufs. Je vais essayer ça et je vous redirai dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, il faut vraiment que j'avance sur ma construction de base. Et je pense qu'on va essayer ça. Un peu de construction et on ira se faire un tamming marin. J'aimerais bien. Alors, soit un dauphin, j'ai des selles de dauphin. Plésiosaure, j'ai une selle aussi de plésiosaure. Une plateforme, ce qui pourrait être pas mal pour emmener mes dinos, en fait. Puisque vous savez, je suis sur une base, je suis sur l'île, mais peut-être je pourrais mettre mes rex dessus, quand, enfin je sais pas, c'est une idée, mais peut-être je pourrais faire un déplacement plutôt qu'avoir un radeau, avoir ça, je sais pas si ça marchera. En tout cas, j'aimerais bien choper un plésiosaure, mettre la plateforme et voir ce que ça donne. Donc, construction de base dans la prochaine vidéo, un petit plésiosaure si je peux, et on se dit nous à très vite, en espérant que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se dit à très vite pour la suite des aventures. Ciao!